C'est MM Simulator. On se retrouve pour une petite vidéo. Vu que j'ai pas réussi mon Odyssée, je la continue. Mais en version plus light, on va dire. Là, je suis avec le limiteur et le régulateur. Voilà, on va aller livrer des jouets à Sheffield. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Donc j'espère vraiment avoir fini à peu près, parce qu'en gros là, je vais vraiment modifier un peu tout en gros, et je vais tout reprendre pour finir en gros cette semaine ou la semaine prochaine, on verra bien. Pour l'instant je suis bien parti, mauvais fonctionnement du moteur, bon, ça commence bien. Allez, roule ma poule. Bon, donc voilà, on essaye d'avancer un petit peu sur ce truc. Donc on va essayer de livrer ces jouets en temps et en heure. J'aimerais, parce que là en gros de toute façon ce sera fini pour samedi, samedi 3 janvier, parce que en gros si je finis pas en 2 épisodes, je finis en 3 et je publierai 3 épisodes dans la semaine. Bon, ce sera la seule fois où je ferai ça, mais en gros ce sera la seule fois, et pas la seule fois, mais pour l'instant en tout cas ce sera la seule fois, parce que j'ai vraiment besoin de finir, là j'ai envie et j'ai besoin de finir cette Odyssée pour le 3 janvier, parce que pour moi le 3 janvier c'est un jour un peu particulier, c'est le jour de mes 21 ans, donc j'ai envie un peu de fêter ça et avec vous en vidéo, et de pouvoir finir avec vous. Là on n'est pas, non, je sais pas où on est en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, je voulais fêter ça avec vous et j'espérais pouvoir. Attends, on n'est pas là où je pense en fait, je crois, hein. Parce qu'il reste 18h et on est pas à Strasbourg là. On n'est pas vers Strasbourg, je crois, hein. Je sais pas, il me semblait avoir vu la dernière fois que j'étais vers Strasbourg et que si, je crois qu'on peut, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre, de toute façon on verra bien, on verra bien. J'espère juste pouvoir y arriver assez vite. Je suis en 11e. À 90, en 11e. Ah ouais, quand même. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai le régulateur de vitesse. Je veux vraiment finir comme il faut, on va dire. Hein. Je voulais pas rester sur un truc pas terrible, terrible. Donc c'est pour ça que j'ai voulu remettre le régulateur. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu chier que ça fasse... le temps, donc je sais pas, on verra bien. Pour l'instant on va dire que ça me plaît bien, on tourne bien là, ça va, on roule bien, il n'y a pas trop de monde, bon c'est normal, c'est un peu 2h30 du matin, hein. Donc voilà, on est en superbe forme, hein, on va rouler. Bon, notre camion l'est un peu moins lui, mais bon, on va faire avec. Donc j'espère juste que ça vous plaît. Par contre je m'excuse encore un peu pour la qualité de la facecam. Pour l'instant j'arrive pas bien, faut que je trouve les bons réglages, faut que je trouve tout ce qui va bien, et après bon ce sera parfait ou presque. Il y aura quelques petits défauts à droite ou à gauche, mais on va dire que ça passera, on va dire, hein. Et donc voilà, après pour moi je trouve déjà ce nouveau
ce nouvel épisode. En fait, en gros, là, ça me manquait un petit peu au truc dans le fond. Même si, bon, ça commence un peu à me saouler, on va dire, de toujours faire les mêmes choses. Voilà, là on voit mieux. Là on voit mieux. De toujours faire les mêmes choses, répéter les mêmes convois. C'est un peu pour ça aussi que j'ai fait cette odyssée, parce que j'avais besoin de changer d'air, de changer, de passer à autre chose. Et je vois que ça vous... Bah, en gros, voilà, je sais que je suis pas très connu non plus. Je trouve quand même que j'ai eu pas mal de vues. Un peu tardif, mais pas mal de vues quand même. Aïe. J'ai eu 2 vues sur mes 2 premières... sur chacune de mes premiers odyssées. Chacun de mes premiers odyssées. Donc je trouve pour moi que c'est déjà plutôt pas mal. Hein, on ait déjà 2 vues sur mes premières vidéos. Je trouve ça plutôt sympathique. C'est vrai qu'en ce moment j'ai une perte de vues. Je comprends un peu pourquoi, mais pas trop. Bon, c'est les fêtes de Noël et tout ça, mais bon, on va dire que c'est pour moi quelque chose qui me semble un petit peu normal, et puis en même temps qui m'attriste un peu, quoi. Parce que quand on voit qu'on a une baisse de vues, ça fait dommage. Bon. C'est vrai que je fais pas ça spécialement pour les vues, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues assez constantes, on va dire. Donc voilà, là on a une bonne vitesse de croisière, 90, 89, 90 en 11e, hein. Donc voilà, je sais plus si... On devrait pouvoir finir. Bon, il ne restera pas grand chose, mais on devrait pouvoir finir. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir finir. Donc, je sais pas, on verra bien. 2 à 3 vidéos cette semaine. Exceptionnellement, on va dire, ce sera l'exception. Parce que, en gros, je voulais conclure, vu que j'ai pas pu conclure pour les fêtes de Noël, conclure par mon anniversaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas me refuser, on va dire. C'est vrai qu'en gros, YouTube pour moi m'a beaucoup apporté, de façon de parler, hein. M'a vraiment, on va dire, changé un peu la vie, m'a diverti aussi, parce que c'est vrai que sinon je resterais toujours en train de faire, en gros. Mais en gros, voilà, ça m'a un peu changé de ce que je faisais d'habitude, et c'est vraiment ça que j'aime bien. Et puis ça apprend en même temps à commenter en faisant autre chose, et c'est un truc assez sympathique, je trouve. Même si on n'a pas un public, même si on n'a pas quelque chose de super, voilà, en gros le truc c'est de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, et ça fait aussi plus de choses qu'on ne le pense. Parce qu'en gros, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez timide, on va dire. Et je trouve que depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube, ma timidité, on va dire, a pas disparu, mais a diminué. Et c'est vraiment ça que je tiens à faire savoir, que en gros, YouTube, c'est presque mieux et c'est moins cher qu'une psychologue, quoi. Bon, après, c'est vrai que si t'es très fragile et puis que t'as tout le monde qui te dit c'est nul et tout, voilà. Non, mais c'est ça que j'aime bien. Voilà, il y a des... Même si on... Moi, on m'a jamais dit que les vidéos, c'est de la merde ou des trucs comme ça. Malgré que je sais que c'est pas top, c'est pas... Voilà, j'ai pas du matos qui vaut des milliards, hein, je vous dis clairement. J'ai pas de matos. J'ai pas de matos du tout. En gros, le seul matos que j'ai, c'est mon ordi portable qui vaut pas une pelle.
j'ai mon téléphone qui commence à me lâcher, j'ai des écouteurs bidons de téléphone, une souris qui date de Mathusalem et qui commence à me lâcher aussi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je vous dis clairement, moi je fais avec ce que j'ai. Parce que c'est vrai que je trouve que YouTube, c'est un peu un moyen de pouvoir se lâcher ou de pouvoir pas se... Ouais, je vais dire un peu ça comme ça, se détimidiser, on va dire. Ben, je sais pas, ouais, de devenir un peu moins réservé, un peu plus ouvert, on va dire, et de pouvoir dire communiquer. Parce qu'en gros, je à mon avis, la communication est déjà plus simple quand elle est par interposition, on va dire. Il me semble que c'est ça, hein, ça se dit comme ça. Par interposition, et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça, je pense, hein, je vais pas confirmer, que YouTube... Par exemple, hein, après ça peut être Dailymotion, ça peut être Twitter, ça peut être tout ce que vous voulez. Et plutôt pas mal, on va dire, pour les gens qui sont timides. Peut aider à vaincre une certaine timidité. Ouais, là on est à Strasbourg, on reste encore 1000 km maintenant. Oh. Bon, ben il nous reste encore 1000 km et on vient de passer Strasbourg. Ben on va passer Strasbourg en gros, la prochaine sortie c'est celle de Strasbourg. Donc voilà, on est, j'espère, bientôt arrivé, 3, 4, 5, 2 à 3 épisodes, j'espère, ça va me faire tout ça. Bon, on verra bien, de toute façon, on verra bien, qui vivra, verra, comme on dit. Bon, donc voilà, moi je tenais à vous dire, parce que cette vidéo paraîtra certainement mercredi, déjà je voulais vous dire bonne année un peu en avance, hein, mais de toute façon, jeudi ou vendredi, il y en aura une. Parce que si j'en fais 4, il y aura un mardi, un mercredi et deux vendredis ou un jeudi, un vendredi, on verra. Et un samedi, bien sûr, samedi c'est essentiel de le signaler. Et peut-être ou un mardi, un mercredi, un vendredi, un jeudi ou un samedi. On verra. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de passer ce moment avec vous, de pouvoir le passer avec mes abonnés ou pas, ça dépend que de vous. Là je pense que bientôt il va faire nuit, donc je vais devoir peut-être, c'est ça, parce qu'il y a encore pas mal de lumière dehors, donc c'est peut-être un peu à cause de mon téléphone, je veux dire, parce que la luminosité est tout en bas. Donc voilà, après c'est vrai que je parle beaucoup en gestes, on va dire, et surtout dans ce jeu là, on va dire, dans les jeux comme Farming ou comme d'autres jeux en fait où je joue au clavier ou un peu pas trop au clavier je joue pas trop, il n'y a que le jeu que vous allez voir mercredi en plus de des jeux voilà que vous voyez d'habitude, le jeu de la vidéo test quoi. Après la plupart du temps j'arrive quand même à mettre mon volant ou à mettre ma manette, et à chaque fois que je suis au volant, je fais des gestes, parce que voilà, on va dire que c'est un peu normal, même souvent quand il n'y a pas la caméra, parce que je trouve que par les gestes, on peut communiquer vachement plus que juste avec des mots. Et c'est vrai, ben, de toute façon, ça c'est vrai depuis la nuit des temps, hein, qu'on peut plus, on communique plus par des gestes que par des mots. De toute façon c'est sûr, c'est même certain qu'on puisse plus communiquer par des mots que par des gestes. Après pour moi c'est vrai que YouTube a fait beaucoup de choses, m'a beaucoup changé déjà, et j'ai vraiment envie de continuer l'aventure. Après, j'espère que, comment dire, que ça vous plaira la suite, parce que franchement, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de continuer. Hein.
Donc voilà, après, c'est juste pour vous faire savoir qu'il n'y a rien qui va... Ben, je sais pas encore si je l'aurais mis ou pas, mais normalement, dans les prochains jours, il devrait y avoir une petite nouvelle intro pour la deuxième année que je fais sur YouTube, bien que je démarre sur YouTube, après on verra, peut-être que j'en mettrai une deuxième, ou je sais pas encore, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est la deuxième qui arrivera, que j'ai faite aussi. Comme les autres, j'ai mis un peu de temps à la faire. Par rapport à l'autre que j'avais mis une heure ou deux à faire. En gros, j'avais fait un peu à la zep, on va dire, parce que je voulais une intro, alors je l'ai faite, hop, comme ça me venait. Et là, j'en ai une autre que je sais pas quand c'est que je vais la mettre. Peut-être début 2015, pour éviter de vraiment casser tout le jeu. De casser toute la chaîne, on va dire, parce que c'est vrai que ce serait mieux de commencer un truc début janvier et de la finir voilà, fin décembre. Donc on verra bien, on verra bien, parce que je me rappelle plus quand c'est que j'avais mis ma première intro. Si est-ce que c'était à peu près dans ces dates là aussi, début janvier, fin décembre. Donc voilà, on verra bien comment s'arrangera tout ça. J'espère que ça ira bien, ça ira bien pour vous et pour moi. Parce que quand même, moi j'ai une putain d'année de merde. Excusez-moi pour cette vulgarité, mais faut dire ce qui est, parce que là j'ai une sacrée année. Si j'avais pas YouTube, j'aurais pété un câble depuis... Ouh, belle lurette. Et c'est vrai que, heureusement, que... pas que vous êtes là, parce que forcément vous êtes pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment... pour moi, c'est vrai que sans YouTube, je pense que j'aurais pété des câbles à la chaîne, quoi. Parce que franchement, c'est vraiment En gros, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, le fait de pouvoir, on va dire, me lâcher sur mes vidéos et tout le reste. Merde. Ça m'a fait beaucoup de bien, on va dire. Après, je vais pas dire que le fait que par exemple, vous voyez, de temps en temps j'ai eu beaucoup quelques soucis, on va dire, sur des termes professionnels. C'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est pas, voilà, j'ai eu des jours beaucoup mieux, bien mieux. Et c'est vrai que cette année, c'est pas forcément bien passé pour moi. J'ai pas eu ce que j'aurais pu penser avoir. Donc, une chose, deux choses qui sont pas mal sur mon année, on va dire, 2014. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a... personnel, c'est l'obtention de mon permis que j'ai eu cette année. On va pas dire par miracle, parce que c'est pas vrai, j'ai beaucoup bossé dessus et tout, j'ai mis beaucoup de sous aussi, mais après c'est vrai que YouTube a pas changé ma vie. C'est surtout le fait que j'ai eu mon permis, ça m'a vraiment changé. Maintenant je peux me déplacer, on va dire, un peu plus. On va dire que je suis un peu plus libre. On va dire que ça me défoule un peu et je peux vraiment... mais c'est vrai que j'aimerais bien faire de la course automobile ou de la course de camion, ça pourrait être sympathique. Pour essayer, on va dire. Il n'y a même pas besoin forcément d'être pro pour faire ça. Donc, pourquoi pas essayer un de ces quatre, de pouvoir mettre ça en route. Donc voilà, moi franchement c'est vraiment un truc qui me plairait bien de faire. Excuse-moi toi. Attends, ce que je vais faire, hop. Voilà, excusez-moi 30 secondes. Bon, voilà, là on sera peut-être un petit peu mieux, on va dire. Bah, pour cette vidéo, vous allez peut-être me voir un petit peu jaune, on va dire. Parce que c'est vrai que là, je viens de mettre la lumière parce qu'il fait trop noir dehors.
et j'ai vraiment l'impression d'être noir, quoi. D'être un bracos. Donc on va reprendre un peu. Par contre, c'est pas une insulte, hein, je vous dis franchement. Mais voilà, en gros, je suis pas raciste du tout. Bon, non, pas du tout, du tout. Franchement, moi, je suis pas raciste du tout parce que, franchement, pour être raciste, faut vraiment le faire. Mais moi, ce que je vous dis personnellement, c'est vraiment, en gros, cette année 2014, pour moi, c'est un échec. Presque à tous les points de vue. Il y a trois points de vue, en gros, on va dire. Cette année 2014, donc j'ai eu mon permis, ma voiture. C'est les seules choses véritablement bien qui me soient arrivées. Bon, après, c'est vrai que mon network et tout, c'est vrai que c'est une plutôt bonne chose, on va dire, pour moi. Mais on va dire que c'était pas non plus la primaire. Après, moi, franchement, je vous dis clairement, c'est vrai que cette année, à part, franchement, les meilleurs endroits et moments, on va dire, que j'ai eu sur YouTube, dans mon année 2014, c'est sur YouTube. C'est vraiment... Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de déceptions professionnelles, on va dire, où j'ai eu... voilà, en gros, il y a des emplois que j'ai pas gardés. C'est les moments où je vous ai pas trop fait de vidéo pendant un mois ou deux, par exemple au mois d'avril ou au mois de septembre. Donc au mois de septembre encore ça passait, mais au mois d'avril c'est vrai que j'avais un peu lâché YouTube parce que j'avais du travail et je pouvais pas faire les deux. Donc parce que je rentrais assez tard le soir et puis je partais de bonne heure le matin. Donc à part le week-end je pouvais pas faire grand chose. Et donc voilà, et même le week-end, c'est vrai que je bossais encore, j'allais sur ma voiture et tout, et je travaillais dessus. C'est vrai que, je vous dis clairement que c'est vrai que, c'est vraiment... C'est vraiment ce qui m'a manqué, on va dire. Et j'aurais dû faire peut-être plus de YouTube et voilà. En gros, je vais vous dire point de vue personnel, moi cette année 2014 c'est un grand échec, un big zéro, on va dire. J'aurais pu passer une meilleure année 2014, mais pour moi c'est vrai que 2014 est l'année de l'échec, on va dire. Le seul point positif de cette année 2014, c'est vraiment mon permis. L'obtention du permis, c'est vraiment le top au niveau c'est le meilleur point que j'ai pu avoir durant cette année 2014. L'obtention du permis. Après, c'est vrai que il y a 2-3 trucs qui me manquent. Pour moi, c'est vrai que j'aurais pu avoir mieux, je pense. Surtout qu'en plus, tous mes appareils me claquent dans les mains et ça commence à me casser les bonbons. Voilà. Là, j'aurais eu envie de m'acheter un nouveau volant. Et ben, manque de peau, je ne peux pas. Hein, un petit G27, voilà, comme pour ceux qui se poseraient des questions. Et je ne peux pas parce que, voilà, au mois de septembre, quand j'ai travaillé un peu, j'ai pas pu... Ah oui, ah, ça... Je sais pas si c'était dans les mises à jour ça ou pas. Bah non, là j'ai pas fait ma mise à jour, mais je vois que le 90 là en bas il clignote. Il a clignoté. Si ça se peut, en fait, c'est comme sur les GPS TomTom en fait. Où tu dépasses la vitesse, il y a le truc qui se met à bip bip bip. Et puis aussi je crois que t'as la limitation de vitesse qui clignote. Donc voilà. Là c'est vrai que vous me voyez peut-être un petit peu mieux là. Ah, peut-être un petit peu jaune. Bon, j'ai pas le teint jaune, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas contre les Chinois, mais j'ai pas le teint jaune. Donc voilà. C'est vrai que ouais. Pour moi, cette année 2014 est une grande déception. Pour moi, à mon goût, cette année 2014 est une déception professionnelle.
Que dire d'autre? Que dire d'autre? Sur tous les points de vue, ou presque. Personnel, oui et non, en fait. J'ai eu mon permis, c'est le point positif, mais après, le point négatif, il y en a, je vous les dirai pas parce que c'est assez personnel, on dit. Mais pour moi, je pense que cette année 2014 était pas très très bonne. Après, chacun voit midi à sa porte. J'espère que pour vous, elle a été bonne, mais pour moi, je ne trouve pas que ça a été l'apogée, on va dire. Je sais pas comment le dire, parce que c'est vraiment ça. Pour moi, ça n'a pas été une apogée. J'ai pas eu beaucoup de trucs qui me tombaient dessus et qui étaient bien sur le coup, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui s'est passé du tout. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Moi, j'ai vraiment eu que de la merde, on va dire, pour Noël. Pour Noël, non. Parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de cadeaux. Même pour Noël, j'ai pas eu. J'ai eu des trucs, je vous dis pas, hein. Je dis pas le contraire. J'ai eu des trucs, j'ai pas eu. On va dire que j'ai eu aucun cadeau physique. Par exemple, je sais pas, une console de jeu, un truc comme ça. Bon, je comprends que ça coûte cher, je comprends que c'est un investissement, une console de jeu. Mais bon, je dis rien de plus. Moi, c'est vrai que je suis pas chiant, on va dire. J'accepte tout, on va dire, à peu près. Donc voilà, après moi c'est vrai que il y a des choses qui m'attristent un peu. Par exemple, il y avait une caméra qui m'intéressait un peu, que je voulais acheter. Et puis elle était pas chère en plus, hein. Elle était à 40 euros je crois. Et j'ai pas pu aller l'acheter, donc faudrait que je prie pour qu'il en reste encore peut-être une quand j'irai, pour voir. Après c'est vrai que franchement, moi je vous dis clairement, Waouh! Oh, grand malade! Grand malade, fonce-moi dessus! Oh, vous avez vu, là, il me déboîte sur la gueule, ce con. Eh, l'angle mort, non, et même l'angle mort, t'aurais pu regarder quand même les rétros. Hein. T'aurais vu ma face, au moins. Donc voilà, après, pour moi, je vous dis clairement, cette année 2014 a été merdique. C'est mon point de vue, vous avez le vôtre, moi j'ai le mien. Chacun a son point de vue et donc on va pouvoir s'entendre sur un point, c'est qu'on a passé l'année 2014. Voilà. L'année 2014 est presque derrière nous. Il doit rester certainement plus quelques heures par rapport à quand je mettrai la vidéo, parce que là il reste encore un jour ou deux. Deux jours. Et c'est vraiment on va dire un peu chiant. J'espère quand même que pour vous, autant que pour moi, commencerait une bonne année 2015. Peut-être pas en ma compagnie, mais d'ainsi, mais pas en direct. Quoi. En gros, vous pourrez regarder toutes mes vieilles vidéos sur ma chaîne. Donc il y a beaucoup de vidéos. Donc le début de l'Odyssée, si vous reprenez maintenant. Ou tous les autres épisodes de l'Odyssée aussi. Tu passes pas. Donc voilà, j'espère après que ça vous plaira. Ah bah faut que je passe aussi devant lui. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, parce que franchement moi je vais continuer. YouTube c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, qui me... Voilà, surtout que maintenant j'ai mis des nouveautés dans ma conquête sur YouTube, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment le dire, on va dire ça. Avec ma conquête sur YouTube, avec la suite de ce que je vais finir. Donc là, on a déjà fait pas mal de kilomètres. On a fait 400 km, je crois, à peu près. C'est plutôt pas mal, hein. On va pas tarder à s'arrêter. Je sais pas du tout. On est vers le Luxembourg, je crois. Donc là, on a respecté ce que j'avais dit. On a mis le régulateur, parce que c'est vrai que voilà, on a plus d'un... Bon, si, il y a une petite imposition, mais petite comme ça. Après, c'est vrai que je trouve que moi, faire de la facecam,
ça en devient même obligatoire maintenant. Parce que c'est vrai que ça fait quand même... Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je vous dis pas ça. J'ai pas beaucoup de vues. J'ai rien de spécial. Tout ce que j'ai de spécial, c'est pas mes vidéos non plus. Il y en a qui les font, les mêmes, ou presque. Voilà, donc il faut... De toute façon, ça fait un an. Ça fait un an que j'avais... j'ai commencé, plus d'un an maintenant. Ça fait un an et trois semaines, je crois. Que j'ai commencé, et c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qui peut innover sur ta chaîne? Qu'est-ce qui peut changer pour que ce soit nouveau? Redonner du neuf à ta chaîne. Me redonner un coup de souffle à ta chaîne. Voilà. Et j'avais trouvé cette méthode. Non. J'ai vu que la plupart des youtubeurs disaient que la facecam, déjà c'est plus communicatif. C'est plus communicatif avec que juste d'aller. Voilà, on va faire un truc en voix off et puis ce sera tout quoi. Voilà, donc c'est plus communicatif comme ça que comme que de faire certaines choses comme je veux les faire. Donc voilà, après c'est vrai que merde, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc pour moi je voulais donner un coup de boost, on va dire, à ma chaîne. Et pouvoir donner un coup de boost comme ça, c'était assez complexe, on va dire, de pouvoir... il me reste 2 heures. Mais le truc, c'est que je sais même pas si je vais gagner de l'argent sur ce qu'on voit ou pas. Donc, on verra bien. Donc, on essaie quand même de bien rouler, au moins pendant quelques... Je pense qu'on va faire à 35 minutes, on s'arrête. Hein. Voilà, on va pas se faire chier. C'est vrai que moi, voilà, je vous dis clairement, YouTube, pour moi, c'est vrai que ça m'a un peu changé la vie. Putain, mais... On va dire que YouTube, on va pas dire, je sais pas comment dire, ça m'a pas changé la vie, mais on va dire que ça m'a ouvert l'esprit, ouvert... à certaines choses que j'aurais pas forcément fait si j'aurais fait autre chose. C'est-à-dire, j'aurais regardé autre chose si voilà. En gros, c'est vrai que de regarder des vidéos sur YouTube m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup appris. Donc c'est pour ça que je voulais me mettre sur YouTube pour apprendre. Ah bon, on va se quitter là. Donc on va se quitter là, moi je vous dis à plus. Ciao !